Et salut les sportifs et bienvenue dans cette vidéo de la trilogie des squats. Puisque les squats, c'est la vie. Ouais, super, bravo Melinda. Je suis accompagné de ma fille Melinda. On y va pour le défi. On laisse le défi à qui, Melinda? À Jujufit4. Ben dis-le, dis-lui là. Je te défie, Jujufit4. Je te défie, Jujufit4. Et on défie qui aussi? Aussi Thibaut in shape, Jujufit4 et Thibaut, ça sera à vous de jouer. Donc Melinda, on y va pour la trilogie des squats. Il y en aura 3, d'accord? Donc le premier, je l'ai nommé le squat à la Johnny Wilkinson, où nous aurons les pieds bien liés. On descend pleine amplitude, les fesses, on essaie de descendre sur la ligne des genoux. Ensuite, vous aurez le deuxième squat. Là, ça sera le squat classique, en espace d'un crâne d'un pied. Voilà, un talon, une pointe, et même chose, on descend les fesses sur la ligne des genoux. Le troisième squat, c'est le squat sumo, comme les sumos. On ouvre encore d'un cran, un talon, une pointe, et là, on place les genoux et les pointes de pied vers l'extérieur, et on descend bien les cuisses parallèles au sol. Au niveau du défi, vous devrez refaire ces 3 squats, d'accord, mais il y aura 3 tours. C'est-à-dire que dans le premier tour, vous ferez 30 reps de chaque squat. Il y aura le premier squat, 30 reps à la Johnny Wilkinson, 30 reps squat classique, 30 reps squat sumo. Au deuxième tour, vous ferez 40 reps des 3 et au troisième tour, 50 reps des 3. Si vous pouvez le faire d'un seul coup, sans temps de récup, c'est parfait. Sinon, faites-le à votre niveau et faites des temps de récup entre chaque squat ou entre les tours. D'accord? On y va, Melinda? Oui. C'est parti pour le défi? Oui. Allez, on va squatter. Let's go! Jujufit4, c'est à toi de jouer. Thibaut5, c'est à toi de jouer. À vous de jouer, les amis. Salut la team.